En vérité, je vais te dire un secret. Parce que Géraldine, après, va s'énerver dans les commentaires. Mais en vérité, les femmes, elles aiment que tu mettes un petit peu de. Un peu de contrôle, tu vois. Ça les. Tu vois, ça les. Ça exacte un peu. Oh, c'est un homme, lui. Tiens, je peux pas faire ce que je veux avec lui. Tu vois. Mais ça, on peut pas le dire. C'est pas politiquement correct. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous avez bien payé la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, tu connais déjà la chanson, mets un petit j'aime parce que de toute façon tu vas aimer la vidéo les gars, à un moment donné, de toute façon si tu n'aimes pas, tu peux retirer le j'aime, ah tu vois, tu savais pas, Gérard il savait pas, ça c'est sûr, oui tu appuies deux fois, ça retire le j'aime, voilà. Ici c'est Jonathan Hachi, l'idée de la chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ta vie sur mesure, pour ça il va falloir faire un petit peu d'oseille les gars, donc ça tombe bien, j'ai quelque chose pour toi et c'est gratuit, voilà, avant de créer à l'arnaque là. Donc, mon étude de cas, où je te montre exactement comment j'ai fait 20 semaines, c'est gratuit, c'est offert, les gars. Je te montre exactement la stratégie, qu'est-ce que j'ai vendu, comment j'ai fait. Après, à toi de copier allègrement. Il n'y a que à l'école qu'on n'a pas le droit de copier. Une fois que tu arrives dans le business, les gars, il faut copier tout. Allez, pas folle la guêpe, les gars. On copie ce qui fonctionne. Et deuxième chose, si jamais tu me connais déjà, sinon tu vas être débordé, tu vas dire, mec, comment ça Pirate Marketing, où je te montre exactement toutes les stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les 5K par mois. Dedans, j'ai rajouté des bonus complémentaires sur l'e-commerce, sur comment investir dans l'immobilier, sur les comment investir dans les startups aussi, comment investir dans les crypto-monnaies, sur le personal branding aussi. Et en plus de ça, si jamais tu passes ton sous-PF, déjà les gars, profitez-en parce que je sais pas combien de temps ça va rester. Vous pourrez pas dire que je ne l'ai pas dit, les gars. C'est pas une scarcity genre pour vous faire semblant, les gars. Si tu passes par ton CPF, tu auras accès à l'incubateur qui donne accès à du coaching. Ça fait beaucoup, les gars, quand même, hein, à un moment donné. Donc, si jamais tu es intéressé par ça, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien qui est dans la description. Tu mets ton numéro de téléphone et il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler. Et voilà, l'appel, il est offert, les gars. C'est sans engagement. Tu poses tes questions. Même eux, à la limite, ils vont pouvoir t'orienter sur un autre programme qui n'est pas de chez nous. Ou si jamais ça correspond pas, tu vois. Mais l'essentiel, c'est que tu passes à l'action et que tu commences à prendre des informations. Okay. Donc, l'appel, il est là pour ça. Et si jamais, du coup, tu es intéressé par Pirate Marketing, on te donnera les accès à Pirate Marketing. Avant, évidemment, on fera le dossier avec toi. On t'accompagnera si tu utilises ton CPF. Si jamais tu profites de, justement, parce qu'en ce moment-là, si jamais vous passez pas par le CPF, ça veut dire vous passez par votre carte bleue, tout simplement. Hein, tu payes normalement. Tu auras beaucoup d'avantages. Voilà, je t'en dis pas plus. Surprise à tous ceux qui auront pris rendez-vous. Et après, les gars, je te le rappelle encore, hein, sur toutes les vidéos, ce sera long, ce sera dur, ça prendra du temps. Réussir à devenir riche du jour au lendemain, les gars, ça n'existe pas. En tout cas, pas sur cette chaîne. Alors, comme je sais qu'aujourd'hui, tout le monde a sa vérité, moi, je vis ma vérité. Ah, d'accord. Bon, ben, vite ta vérité là-bas de on peut devenir riche du jour au lendemain, en un an. Et puis après, tu reviendras me voir hein, quand tu auras compris c'est quoi la vraie vérité. La vérité, quoi, en fait. Hein. Donc, pas d'excuses, les gars, j'ai grandi à Évry dans le 91, dans le quartier des Pyramides. Arrêtez de chialer, les gars. Arrêtez de trouver des excuses. J'ai redoublé mon BEP trop technique. J'ai découvert le business super tard. J'avais 30, je sais même plus, 33, 34. Ça fait plus de 3 ans que je voyage, les gars. Voilà, ça s'est pas fait tout seul. Mais est-ce que ça en valait le coup? J'ai envie de te dire que oui. En tout cas, je te le confirme. Bref, passons directement au sujet de la vidéo. 3 raisons pour lesquelles elle ne te respecte pas. Ah oui, je pense qu'il faut qu'on en parle quand même. Parce que j'ai vu des choses, les gars. Ah, je peux te dire que si ça m'a inspiré une vidéo, c'est que j'ai vu des choses, les gars. C'est chaud. J'ai vu une meuf parler à son gars. Genre, elle lui a mis un coup de pression devant tout le monde. C'est-à-dire tout le monde. Amis, famille, voilà, non, normal. Coup de pression devant tout le monde. Et genre après le gars il parle pas, il fait comme ça. Donc déjà c'est un truc de ouf, humiliation quand même de malade. Et après elle lui a dit un truc, arrête de faire la tête, change ton visage, un truc comme ça. Donc elle l'a dit en créole. Donc j'aurais du mal à te le traduire comme ça en français. Mais en gros c'est vraiment, c'est pire. C'est genre change ta tête quoi, change de, oh c'est chaud les gars. Donc là je me suis dit, il faut quand même qu'on en parle, il faut que, parce que tout le monde fait comme si genre, ah non moi je suis carré, et puis dès qu'ils rentrent chez eux, ils sont victimisés, les gars. Et après, on s'étonne pourquoi divorcent les meufs. Bah ouais, c'est ça, les gars, ils savent pas, ils se comportent plus comme des hommes. Et après, tout le monde, mais les femmes, mais ils sont où les hommes aujourd'hui? On ne sait pas, voilà. Donc, du coup, petite vidéo sur le sujet. Parce qu'il faut quand même le savoir, parce que peut-être les femmes, elles s'en rendent pas compte, parce qu'elles veulent, maintenant, les femmes, elles veulent des boss, babe. C'est que le respect, pour un homme, c'est tout. C'est tout ce qu'il a, le respect. Tout ce qu'un homme fait, c'est pour pouvoir être respecté. C'est pour ça, par exemple, qu'on peut pas sortir avec une meuf qui a connu toute la planète. Parce qu'elle te représente. À un moment donné, tu comment on fait? Où est le respect? J'ai envie de te dire, elle est perdue, on sait plus là. Tout le monde se moque de toi, nanani. Non. Ok, donc tous les hommes, depuis tout petit, on est là. Est-ce que tu es capable de faire ça? Quoi? Tu crois que je suis pas capable de... Tu crois que je suis pas capable? Tu crois que je suis pas capable de faire ça? Hein? Tout ça pour le respect. C'est tout. On veut faire plus d'oseille, on veut plus de statut, on est toujours en compétition. Ils sont toujours en compétition, vraiment des gamins. Vraiment insécures, les gars.
c'est parce que t'as rien compris comment le monde y tourne, chérie. Géraldine, c'est la base, le respect, c'est tout. Les gens veulent faire plus d'argent, ils veulent se battre, ils veulent tout ce que tu veux, c'est toujours pour avoir le respect. Poutine, il fait une descente en Ukraine, et c'est le respect. Il veut être respecté des États-Unis, c'est toujours une question de respect. Non, non, mais le respect. Non, mais voilà. Donc du coup, comment ça se fait qu'on en arrive à une situation comme je viens de te raconter, où elle est là, elle te met des coups de pression au niveau de toute ta famille. Imagine, si elle met des coups de pression au niveau de toute ta famille, ou tes amis, qu'est-ce qu'elle doit faire en intimité? Ça doit être un truc comme ça. Donc alors, première raison, tu ne gagnes pas assez d'argent ou en tout cas, tu ne fais pas des efforts pour pouvoir en gagner beaucoup plus. Donc en gros, dans sa tête, elle se dit, elle gagne plus que toi évidemment. Donc en gros, dans sa tête, elle se dit, je suis meilleur que lui. Donc du coup, ça ne remplit pas son hypergamie. Je ne sais pas si ça se dit en français, dans son hypergamie. Son hypergamie? Non, je crois que c'est hypergamie. De toute façon, tu me corrigeras en commentaire. Nous ne sommes pas susceptibles. Donc c'est clair qu'elle va penser qu'elle est meilleure que toi. Et donc du coup, si elle commence à penser qu'elle est meilleure que toi, tu vois, elle n'a plus de respect. Voilà. Elle perd le respect. Parce qu'une femme, elle doit toujours te voir au-dessus. Elle va dire, il est trop beau, il est trop fort, il est trop intelligent. Si jamais elle pense pas comme ça, non. Ça va pas le faire, les gars, déjà, il faut changer de meuf. Ou sinon, il faut que tu travailles sur toi. Évidemment, là, si tu fais rien de ta life, t'es fainéant. J'ai connu un gars qui était comme ça. Apparence physique, parce que vous, les gars, vous croyez que genre, il faut être beau, tout ça, en tant qu'homme. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. De toute façon, t'as plein d'exemples partout. La beauté, les gars, c'est les femmes qui doivent être belles. Nous, on doit être avoir de l'argent, avoir du statut, être confiant. Bon, tu connais la liste. Hein. Donc, du coup, ça n'a rien à voir, les gars. Et j'ai un exemple, les gars. Un gars qui était frais, nanani, beau, froid, beau, ok. C'est ce que les meufs, elles disaient. Ben, le gars, par contre, le problème, c'est qu'il est fainéant. Le gars n'arrive pas à trouver un job et le garder. Eh ben, ce qui se passe, c'est que les meufs, elles commencent une relation avec lui, puis après, elles arrêtent. Elles disent, mais je peux pas. Je ne peux pas. Alors que le contraire n'est pas du tout la même. Si jamais un homme, il rencontre une meuf qui n'arrive pas à garder un job, bon, s'il fait suffisamment d'argent, il va dire, bon, c'est ok. Bon, c'est sûr que celui qui ne fait pas assez d'argent, il va dire, ouais, bon, ce sera bien que tu trouves un travail quand même. Mais si jamais elle est vraiment fraîche, il ne va pas la lâcher parce qu'elle n'a pas de travail. Donc du coup, c'est vraiment important qu'elle puisse voir au moins que tu es potentiellement en train de faire les choses pour pouvoir faire plus d'oseille, que tu as des objectifs, que tu as une vision, que tu as quelque chose. Tu n'es pas juste là un gars comme ça, tu fais rien. Parce que ça, à un moment donné, si jamais elle peut partir avec un autre gars, elle va le faire. Parce qu'à partir du moment qu'elle a perdu le respect pour toi, elle n'a plus de crainte, mais dans le bon sens du terme, pas genre la crainte, oh, il va me frapper, non. Crainte genre le respect, tu vois, bah, elle va aller voir ailleurs de toute façon. De toute façon, déjà, tu vas plus déjà, elle va pas t'aimer parce que pour pouvoir qu'elle puisse t'aimer, il faut qu'elle te respecte d'abord. Une femme doit te respecter avant. Une femme ne peut pas aimer si jamais elle ne respecte pas au début. Ça va pas à l'envers. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'après, elle va aller voir Brian et Chad. Et puis voilà, puis elle va te tromper avec eux. Et si elle reste encore avec toi parce qu'elle te manque de respect, c'est parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas aller voir ailleurs ou elle ne peut pas avoir un autre gars. Mais le jour où il y a un autre gars qui se présente, qui va pouvoir remplir tout son hypergamie, eh ben, elle va y aller. Tout simplement, et elle va partir du jour au lendemain. D'où pourquoi la fameuse phrase, si tu la considères comme une star, elle te considérera comme un fan que tu aimes tant. Deuxième raison de pourquoi elle ne te respecte pas, c'est que tu ne mets aucune limite. Jamais. C'est open bar. Fais ce qu'elle veut. Elle parle avec 50 gars en même temps. Non, c'est des amis. Ah, ok, je comprends, je ne suis pas insécure, moi. Oui, vas-y, tu peux discuter avec tes amis. Oh, tu veux partir en voyage avec tes copines qui sont toutes célibataires à Miami. Ben oui, allez, vas-y. Moi, de toute façon, je veux dire, je suis un homme, moi, je suis ouvert. Vas-y, tu peux. Fais tout ce que tu veux. Voilà, un petit peu ça, parce que les gars, ils se disent, il faut que je sois gentil. Comme ça, si je suis gentil, elle va m'aimer et je serai le gars parfait. Alors, ça paraît bien sur le papier, mais en vérité, ça fonctionne pas du tout comme ça. En vérité, je vais te dire un secret. Parce que Géraldine, après, elle va s'énerver dans les commentaires. Mais en vérité, les femmes, elles aiment que tu mettes un petit peu de... Un peu de contrôle, tu vois. Ça exacte un peu. Oh, non, c'est un homme, mais... Je peux pas faire ce que je veux avec lui, tu vois. On peut pas le dire. C'est pas politiquement correct. Alors, évidemment, on ne part pas dans l'extrême, quand même. Mais concrètement, j'ai vu ça trop de fois, les gars, ils veulent faire les gentils, mais ça fonctionne pas, en fait, d'être gentil. Il faut juste que tu sois un homme, en fait. Il faut d'abord qu'elle te respecte. Si jamais elle voit qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut, bah, inconsciemment, elle se dit, bon, elle va pas te respecter, en fait. Je peux faire ce que... Elle va dire, ah ouais, elle va dire à tout le monde, ouais, il est super machin, il est super gentil. Puis elle va commencer à dire, à vouloir coucher avec Brian, à vouloir se barrer, etc. Tu vas pas comprendre. Tous les gars qui sont super gentils, ils se font larguer. Hein. Je sais pas si t'as remarqué.
Je sais pas si t'as remarqué. Est-ce que t'as déjà vu un gars qui genre vraiment un bonhomme? Après évidemment ça doit sûrement arriver aussi, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Un vrai bonhomme, qui agit vraiment comme un alpha, en général, bon bah elle reste pas. Et pourtant des fois le gars il trompe et la meuf elle reste encore. Pose-toi des questions. Quand je dis des fois, je te parle de tous les gars qui sont, je sais pas, là, qui sont dans les 10%, 1%. Tu crois que les gars, on va prendre l'exemple, je sais pas, des gars qui sont connus, tu crois que les gars ils sont fidèles ou quoi? Pourtant leur meuf elle reste là. Alors des fois, il y en a des fois, elles partent. Mais peut-être parce que le gars il abuse trop. Mais ce que je veux dire, c'est que, en général, ça se passe bien. Par contre, des gars gentils, eux, ils sautent direct. Donc quand je dis ça veut dire quoi gentil, ça veut dire que tu dis pas oui à tout. Hein? Il y a des fois, tu dis non. Ça veut dire qu'il y a des gars, ils ont jamais dit non à leur femme. Oui. Ah, je suis pas insécure. Ah, j'avais vu une histoire dans, comment ça s'appelle? Toujours le Fresh and Fit, tu connais Fresh and Fit le podcast, une meuf qui disait ouais non mais c'est moi qui ai demandé qu'on soit un couple open parce qu'aujourd'hui c'est la mode, oui tout le monde est open, il faut qu'on soit ouvert, genre open ça veut dire que genre open c'est couple ouvert, ils vont faire du sexe à droite à gauche, tu vois. Et après on lui a dit mais qui est-ce qui a proposé ça? Elle a dit c'est moi. Et déjà il y a un problème. Si ta meuf elle te demande que ce soit open, déjà il y a un problème. Il y a un truc qui va pas, elle te respecte pas, elle te kiffe pas. Face à moi, non, c'est pas vrai, je connais plein de gens. Hein. C'est pas vrai. La nature d'un homme, ça ne fonctionne pas comme ça. Un homme qui vraiment qui kiffe sa femme, il va jamais dire ouais, vas-y, viens, on est open. C'est ou qui kiffe plus vraiment, il a envie lui, il a envie d'y aller et être tranquille, etc. Dans tous les cas, c'est un mauvais deal pour lui parce que la femme a accès au sexe beaucoup plus facilement. Donc pendant qu'on dit ouais, genre les deux sont open, en vérité, elle a juste à sortir dans la rue, elle a 10 gars, le gars il va sortir dans la rue, il n'a rien du tout. Et ça, même s'il est frais, même s'il est ceci, ce sera jamais comparable à une meuf, même une meuf moyenne qui a un 5 par rapport à un gars qui a un 9-10, l'attention sexuelle qu'elle aura n'aura rien à voir avec l'attention sexuelle qu'aura le gars, même si c'est un 10. Ce ne sera même pas comparable. D'ailleurs, il y a une étude qui est sortie là-dessus en plus. Ouais, il y a une étude qui est sortie là-dessus, qui prouve ça, mais de toute façon, on le sait, tu vois. Et donc, du coup, elle expliquait que, ouais, ils sont open, tout ça, machin, et c'est elle qui a proposé. Et elle a dit, ouais, non, mais lui, il est cool avec ça, etc. J'ai dit, mais non. On lui a dit, mais non, mais c'est impossible. Si jamais on lui demande, ouais, est-ce que tu préfères que genre ta mère elle soit pas open, est-ce que tu préfères ça ou tu préfères qu'elle soit open, le gars il va dire, bah non, je préfère que ma meuf couche qu'avec moi. C'est une évidence. C'est parce que les gars, ils savent plus que. Ils veulent pas dire, oh, je suis pas insécure. Ok, je suis gentil, vas-y, fais ce que tu veux. C'est comme Will Smith, il est désespéré. Ok, je suis d'accord, je respecte, il veut rien lâcher, il veut rester marié, tout ça, jusqu'à la mort. Genre, le divorce, ce n'est pas envisageable, ok? Voilà, c'est ce qu'il a dit, hein. Il a dit, le divorce, ce n'est pas envisageable, ce n'est pas une option. Ok, je respecte ça, parce que je dis, c'est bien, tu vois, je veux dire, voilà, ça déchire, ok? Mais par contre, d'aller jusque-là, à laisser ta meuf open et coucher avec le pote de ton fils, là, tu vois que on est dans le désespoir. Tu vois, ça n'a rien à voir. Aucun homme kiffe ça. Faut arrêter ça. C'est que oui, on est tolérant, tout ça. Oui, c'est le progrès. Non, c'est pas le progrès. Biologiquement, intrinsèquement, un homme, il veut pas que sa femme se fasse par un autre gars. Et encore moins devant ses yeux. Troisième raison pourquoi peut-être elle te respecte pas, c'est que tu n'as pas de leadership. Ça veut dire que tu es là, on sait pas où est-ce qu'on va. Pas de mission, pas d'objectif de couple. Voilà, vous êtes là, machin. Donc à un moment donné, ça va la titiller, inconsciemment ou consciemment. Elle va venir, elle va te fatiguer. Elle va venir, elle va t'embêter. T'as pas fait la vaisselle? T'as pas sorti la vaisselle? Dès que tu vas être en train de jouer à la PlayStation. Tu joues toujours à la PlayStation? Non, elle va même pas dire que tu joues toujours à la PlayStation. Ouais, t'as rien à faire. Non, peut-être pas dire t'as rien à faire, elle va dire. Ouais, t'as pas fait les courses, t'avais dit, t'as rien à. Elle va toujours te machin. Alors que quand t'as une vision, c'est pas le problème de jouer à la PlayStation. C'est que si jamais t'as une vision, quand les objectifs, tout est carré et que tu joues à la PlayStation, il n'y a pas de problème. Elle vient à côté de toi, elle te fait des messages. Pas de problème, elle te fait des bisous. Alors chérie, tu gagnes? Oh là 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 là! Et ils sont trop nuls par rapport à toi. Là, on est bon, tu vois. Mais quand tu fais rien de ta life, que tu es juste là, tu manges des chips, du coca et tu n'as aucune vision, il n'y a aucun objectif et que tu joues à la console, là, elle va te prendre la tête. Tout a du sens, les gars. Et quatrième raison, c'est en bonus, les gars, c'est cadeau, c'est que tu lui demandes trop d'attention. Ça veut dire quoi, de lui demander trop d'attention? Ça veut dire qu'en fait, tu te comportes comme une femme. Normalement, c'est elle qui doit te vouloir ton attention. C'est comme ça que les femmes, elles se nourrissent, ok? Elles veulent l'attention de l'homme. Donc, à partir du moment où tu commences à agir comme une femme, tu lui demandes plus, oh, fais-moi un bisou, j'aimerais bien que tu me fasses un bisou, mais tiens-moi la main! Pourquoi tu me tiens pas la main quand on est dehors? Mais tiens-moi la main, tu veux pas? T'as honte de moi, c'est ça? Quand tu commences à agir comme ça, on n'est pas dans le tempo, les gars.
on n'est pas dans le tempo. Donc ce qui va se faire, c'est que naturellement, elle va être repoussée parce que tu agis de manière féminine. Tu agis comme, comme une femme, en fait. Et donc, du coup, elle va moins te respecter, en fait. Elle va dire, mais il est en chien ou quoi, lui? Oh, mais t'es collant, toi. Mais lâche-moi un peu. Voilà comment ça va se transformer. Donc ça, c'est le principe d'aujourd'hui, vu que tout le monde est énergie. The times, they are changing. Yes. Comme tout le monde est énergie, les gars, les hommes, ils savent plus être comment... Ils savent plus qu'est-ce qui est un homme et comment on doit agir, en fait. Sur la... on fait comment, en fait? Je sais plus. Ah, c'est pas comme ça. Ah, je pensais. Voilà, donc c'est là où on en arrive. Et donc, du coup, après, les meufs, elles respectent plus. Et après, elles demandent le divorce. Hein? 80%, je te rappelle les chiffres, c'est cadeau. 80% des divorces sont initiés par les femmes. Et non, les filles, ce n'est pas lié parce qu'ils ont trompé. Non, voilà. Hein, je rappelle aussi les chiffres de tromperie. C'est 53% des hommes trompent et 47% c'est des femmes. Un truc comme ça, 43, 44. On ne va pas jouer sur quelques points d'écart. Je pense qu'on est à peu près dans la même tempo les filles. Donc arrêtez avec cette fameuse croyance que tout le monde, de tout le monde parle. Ouais, les hommes trompent plus. En fait, c'est juste pareil. Enfin oui, un petit peu, hein, mais pas de quoi se la raconter. Après, évidemment, je connais les filles vous dire « Oui, mais on a trompé parce qu'il a trompé avant !» La mauvaise foi est à son paroxysme. Donc voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un « j'aime » si jamais tu as aimé cette vidéo, un « j'aime pas » si jamais tu n'as pas aimé, si jamais tu vas aller plus loin avec moi. Tu as ton description, tu veux en savoir plus sur la nature féminine. Profites-en, il y a Zeus à un prix, j'ai envie de te dire, moins cher que ton menu McDonald's que tu aimes tant, avec le Sunday Caramel. Je sais pas pourquoi ils veulent pas mettre les cacahuètes à chaque fois. Là, je voyage, les gars, il y a plus de cacahuètes ou quoi? Il y a des cacahuètes chez vous? Je sais pas. Donc, dis-moi ça en commentaire aussi. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous. Je vais être ton camp.